Coucou tout le monde et bienvenue devant l'épisode 8 de Broken Age. Je crois que c'est l'épisode 8, je sais jamais où j'en suis dans mes épisodes en fait, c'est terrible. Alors, on est arrivé ici avec tous les petits coquillages. Tiens, j'ai pas vu ça. Et du coup, j'imagine qu'il va falloir que je participe au banquet des demoiselles ici. Parce qu'elles sont que deux en plus, généralement elles sont plus. Donc il y a forcément quelque chose à faire avec l'arbre tout à l'heure, le faire vomir et tout. Mais c'est compliqué, je sais plus où j'en étais. Donc on va aller parler à lui déjà, qui arrête pas de parler. Après j'irai parler aux filles, parce que je leur ai pas parlé encore je crois. Alors... Ah oui c'est vrai, il est en galère parce qu'il arrive pas à préparer, ça y est. En plus il dit que je pue, enfin je pue pas. Justement, je pue pas, je pense. Hey, about your bucket hat. What? What about it? It looks terrible on you. Might cost you the election. J'essaye, hein. Je sais plus. Je crois que j'ai pas fait ça tout à l'heure. Ouais, non, j'ai déjà demandé ça. Faut que j'arrive à avoir son chapeau. Si elle le veut, c'est qu'il me faut. Alors. Can I please have it? I like your manners, but I like my hat more. Ah, attendez. Ce qu'on va faire. About your bucket hat. On va dire que ça lui va bien vu qu'il dit que je suis mal habillée. It looks great on you. Very fancy. What? Fancy? Ah non, d'accord. I'm a man of the people. I'm never going to win this election if I come off as haughty and elite. Here, take this away from me. Merci. Thank you, child. I'm firing my stylist tomorrow. Le pauvre. Heavens no, child. You smell like birthday cake and fluffy clouds. With a hint of fresh pine. But that's just not the sort of aroma that hooks the big fish. Talk to your grandmother. I'm sure she has a fragrance recipe she'll share with you. Ça va être compliqué d'aller voir ma grand-mère. Did you say there might not be a maiden's feast? The sea, she is angry this day. I'm trying to build the offering arena, but the waves keep washing it away. Je peux pas dire que je vais tuer Mokchokra parce qu'après elle va dire oh là là non. Why do you build the offering arena so close to the ocean? Because that's where the sand is. How about now? Is the construction coming along better? The sand is falling apart, and so am I. Allez, je lui dis. There has to be a maiden's feast. I need to kill Mogchathra. Yes, yes, we all want to kill Mogchathra. But when he comes here and sees no offering arena, he might pass us by, or worse. Better let you get back to the feast. Yes, yes. Tu as entendu ça dans les oreilles là, pas compris ce que j'ai dit. Going to serve up themselves. Bon, du coup, je peux regarder ses plans ou pas du tout, non? Attends, reste là, reviens là. Non, je peux rien faire d'autre. Non. Bon, on va partir. On a déjà le seau, déjà ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du vitrail, du bois, j'ai encore l'échelle, mais c'est quoi ça? Du parfum? Is this your secret stink for attracting Mogchathra? It's my grandmother's traditional cocktail of musk, pheromones, and animal sweat. And I'm not sharing it with anybody. Well, I don't need it anyway. Daddy says I exude it naturally. Hi, you maidens getting ready for the maiden's feast? Nice costumes. Thanks. Our dads made them. They're the best fishermen in the village, so they're pretty good at tying lures. We had to use every hook in town. D'accord. C'est pour ça qu'il y a plus d'hameçon. Isn't somebody gonna miss those hooks? Not as much as they're gonna miss us. You're gonna make me cry, girl. I want to be in the maiden's feast. Of course you do, poor thing. But shell maidens are chosen only after a long period of qualifying events.
also our dads. En vrai, ouais, j'aime bien la tenue de celle de gauche, elle me fait rire, elle est sympa. Les couleurs, elles sont cool. Par contre, celle de droite, oh my god. Yes, just as a friend. You just don't smell right, girl. Oh, I'd want a friend to tell me that. Don't you guys ever wonder if there's another way to save the town, I mean. This is how it's always been done. Yeah, they figured out how to do it a long time ago, so we wouldn't have to think about it. Mais à force de tuer toutes les filles, il y aura plus personne, hein. See you maidens later. Ciao. Non, c'est pas grave. Now let's see if this one... We have one like that back home for making upside down cakes. Ah oui, je voulais les voir là-haut. L'ambiance était un peu bizarre, mais je vois si je peux pas. Je crois qu'il y avait des gens. Oui, il y a des gens. Ça bouge. Bonjour. A sighted stranger approaches. Not so fast. Darn. All out of holy tear gas. Use the staff. Oh yeah. Halt. The dead-eye god sees no one. D'accord, mais ouais, c'est quoi cet endroit? The Dead Eye Pyramid. Tomb of the Dead Eye God. As if you didn't know. J'ai l'impression que plus le jeu avance, plus on rencontre de gens encore plus perchés que les autres. C'est terrible. Tiens, c'est qui votre dieu? The Dead Eye God. The Messiah from the sky. Bringer of miracle objects. Someday he will rise to return our sight and begin the battle of Volgentol. Okay. Ah, did your god bring any miracle objects that were like weapons? The kind that could take down a giant monster before it destroyed your home village? Our god had such power and more. Probably. J'ai ici cherché des armes, j'imagine. We don't even know what half the stuff in there does. Can I go inside? You wish to invade our holiest of shrines? Why? I don't know. C'est jamais. It just looks cool. It does? We wouldn't know. We're blind. Oh, sorry. But no one enters the Dead Eye Pyramid. No one. Well, unless, what? Well, if she could solve the riddle on of the horn. Oh yeah, if she could solve that, then she'd definitely be worthy. No problem. Allez, c'est parti. Ils m'ont pas dit l'énigme. Could you remind me how the riddle of Yorn goes one more time? You always take us down when we are in our prime. Devour your sweet rewards, yet I'll return in time. A child of mine will rise out of his rotten bed, up from a hidden pit, long after I am dead. Whoa. Yeah. Bring us the solution, and you may enter the pyramid. J'ai rien compris. Did you say you lost your sight? Yes, that happens when you blind yourself. Oh. If the Dead Eye God has no need for sight, then neither do we. Huh. Bon. Vous arrêtez pas à me dire oui, il faut pas juger, ils ont toujours appris à être comme ça et tout. Oui, non, mais là, ça va dans des extrêmes quand même, non? Bon. Hey, can I get you guys something? Like what? Some more holy tear gas? Oh yeah, here. Cool. Je sais pas quoi ça me servira non plus, mais cool. Just fill that up for me if you could. Thanks. Bon, ça va être des gardiennes, ça. Je pose la question, mais. Dead Eye Dawn, and this is Dead Eye Courtney. Hi. D'accord. On s'en fout. Bye. On se barre. On se verra plus tard. See you later. J'ai rien là. It's all out of holy tear gas. On s'en va. Ce serait pas vers chez moi ça? You can see the whole maiden's feast area from up here. Je sais pas, ça se met des gâteaux, elle habitait l'olivier des gâteaux, non?
You can see the whole maiden's ouais. feast area from up here. Pas grave, on bouge. Est-ce que ça serait dégueulasse? Attends, ah, c'est chiant. Est-ce que je peux? Come to me, old chum. Oh, je sais pas quoi ça me servir. C'est des appâts. Looking at this chum trough makes me really happy. I grew up in a fishing town instead of a fishing town. Actuellement, je n'ai pas d'utilité. Je vais repartir là-bas. J'avais pas tout vu ce que je pouvais faire. Ah oui, je voulais récupérer de sa sève. Donc j'imagine que avec le seau, je peux lui en prendre un peu. Là, ça coule. And now you're decorating me like a Christmas tree? Pourquoi j'ai fait ça? Is there no end to the humiliation? Le pauvre. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, je l'ai repris. Moi, je le remets. Oh. Oui, bah, c'est bon, tais-toi. Hey, can I have some of your sap? You're just like the rest of them. Want to bleed us dry, steal all our thick... I'll let you... T'as déjà dit ça. Donc, elle veut rien faire. Bon, on va repartir par là. Repart par là. Et on va retourner chez le mec là. Hop. Est-ce que je peux te donner ça? Pour que tu me dises ce que c'est. You sure you don't want this art? No, you ruined it. Ah. Hi. Hey Vella. Comment t'as bourré? Make me a stool. I'd love to. If only I had some wood. Do you know what rises from a rotten bed? No, but it sounds like one of those fruity riddles my ex-girlfriend Becky was into. Enigme de fruits. Man, I do not miss her. So you're a woodworker. On a déjà posé ça. Oh non. Something that has children in pits and rotten beds? Excuse me? Sorry, it's a riddle I'm trying to solve. Catch you later, Curtis. Mais vu du bois, c'est ça. J'avais ramassé du bois tout à l'heure dans la dernière fois. Check it out, non-talking wood. Oh, and it's so smooth. Oh man, I feel a stool coming on. What? Oh, whew, that's a relief. Oh, c'est joli. Tell me about it. I feel 10 times better. Thanks for helping me get that out of my system. I want you to have it. Really? Thanks. No problem. I like to spread my samples around. Oh bah merci, cool. J'ai un tabouret maintenant. Est-ce que je lui montre le truc que j'ai caché chez lui? Hey, the sun part fell out when I walked by. Man, I guess the heavy crystal I used for the sun needs a thicker lead around it. Just put it back up there and I'll fix it later. Donc je le remets? I'll put it back just as soon as I'm done with it. Bon bah, je sais pas à quoi ça va me servir, mais... Par où on repart déjà? Là. C'est bon? C'est bon. Hop! Du coup, ce qu'on va faire... Est-ce que je peux pas... He also makes nice things that aren't wood. Crystals have feelings too. Ah, oui, évidemment. Bon, tiens, regarde. Tu vois, tiens. Sorry to do this to you, but. Oh my god, is that mutilated tree flesh? You see, what Curtis does is he peels off the outer layer of the wood. Oh, c'est méchant. To get to the tender stuff inside. Then he dips the whole thing in an acid bath. Before he begins the deep carving. Il est joli ce tabouret, j'aime bien. Oh, cool. Sorry, did that upset you? You monster. Désolé. Par contre, j'ai pas compris à quoi wow, ça me servir ça. The sap is super thick. À quoi ça sert? Genre, je sais pas, c'est pour coller ça. Nah, that doesn't need a new sun, especially not a vintage crystal one. Mm.
y aller au pif. Est-ce qu'il y a des trucs à cliquer là sur le pont? Non. Il m'énerve à parler tout le temps celui-là, c'est dingue. Je vais aller le voir. Peut-être que vu que j'ai eu l'énigme, j'ai peut-être un autre truc à lui demander maintenant. Marshall, dear? Ah. Hey, do you know the answer to the riddle about the pits and rotten bed? What kind of pits are you talking about? Not il parlait de sa copine, enfin sa copine Becky, qui avait fait des rembours avec des fruits. Il faut que je trouve un fruit, mais j'en ai pas. Better let you get back to the pit. Pas de fruits, mais il y en avait dans le pays. Oh, j'ai une idée. On va remonter tout là-haut. Faire une ellipse le temps d'y arriver, parce que bon, elle est lente, hein. Alors, il y avait des fruits là. Il a dit que c'est une ligne en rapport avec les fruits. Si je ramène un fruit, j'arrivais pas à l'attraper parce que j'étais trop petite. Mais maintenant que j'ai un tabouret, that's not a good use for a stool. Je peux pas le poser. Give me some fruit. Dang. Je peux pas le poser, hein. Bon bah j'aurais essayé. Ah, il est là, le fruit. Il est dans le nid. Il est où, le nid? On va descendre là. On descend. Est-ce que ce serait pas par là? Ah! Firm and pungent. Je sais pas trop. It's tree barf, not fruit dip. On a le fruit, on ira donner le fruit aux filles. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir pour donner les fruits. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode il est pas mal long. On tourne beaucoup en rond là. Je sais que certains m'ont donné la solution, mais je veux pas la lire parce que je trouve ça plus sympa de chercher moi-même en fait et de réfléchir que plutôt bah avoir toute la solution devant moi. Je trouve que ça gâche tout en fait. On va leur donner le fruit. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être. Non, pas lui. Je peux lui donner mon seau. Enfin, lui rendre son seau, genre, il va mettre sur sa tête, ça va être collé. Je sais pas. Here, this will make your sand mixture stick together. Ah, bah oui! Really? Suis-je bête? Enfin, suis-je bête? I'm a baker. I know my ingredients. Moi, je voulais juste le faire chier. On va essayer. Hey Clarence, bring that load down here, will you? I hope you're oh, right. On aura avancé. It's never failed me before. How many times have you used it? Never. Shh. Let's watch. Here comes a wave. I can't look. What'd I tell you? Now that's a sandcastle. Looks like we're in business. All we need to do now is get those maidens in tune. Des voix? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. On va aller donner le fruit là-haut, voir si c'est ça. On s'en fout. Tenez, un fruit. Je sais pas si c'est ça la réponse, mais... On va s'arrêter là après. No thanks. These are our only robes. We don't want to get them all sticky. It's the answer to your riddle. But it's just a fruit. With a pit inside. Oh my god. It's so simple. Why didn't we get that? Oh man. That's been bugging us all day. But what does it have to do with the pyramid? Huh? Oh, nothing. This is something our friend Becky Yorn told us. Becky, l'ex-copine de l'autre. Ok. She's so smart. I can't wait to rub this thing in her face. So, can I go in there now? Oh, yeah, yeah, whatever. Knock yourself out. Bah, je vais rentrer. I'm going in. Okay. Je sais pas si je fais les choses dans le bon ordre. Oh! Ça va. Mais je vais pas le faire tout de suite, parce que là, si je commence, je m'arrête plus.
vraiment bizarre comme endroit. Je sais pas si je continue là ou si je vais pas plutôt retourner voir pour faire le banquet quand même. Parce que bon, je sais pas. Dans tous les cas, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et le petit commentaire. Nous, on se retrouve jeudi pour le live. Sauf si j'ai pas réussi à publier cet épisode, parce que j'ai toujours mon petit problème de connexion jusqu'à demain. Parce que j'en ai mardi. Donc bon, on verra bien. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!